On this day of Sadhguru Baba. En ce jour du Sadhguru Baba, je suis allée offrir Bhog à Baba en apportant l'amour et le souvenir de chacun. Et Baba, avec beaucoup d'amour, a accepté Bhog. Et Baba, de façon très joyeuse, regardait chacun, partageant un drishti si charmant. Et après quelques moments, Baba dit, c'est ici, c'est mon jardin. Et chaque fleur n'est pas seulement belle et épanouie, mais chacune est différente et cela augmente la beauté du jardin. Alors Baba aime toutes ses fleurs parce qu'elles sont les fleurs de Baba dans le jardin de Baba. And in few moments, then Baba said, et quelques moments plus tard, Baba a dit, Baba, the knowledge which Baba is giving to make you la connaissance eternally natural. Que Baba nous donne, yeah, c'est de nous rendre totalement naturel. Baba dit, vous devez être naturel, Baba dit. Même le souvenir de Baba doit être naturel. Alors comment est-ce que le souvenir peut devenir naturel? Le souvenir est naturel lorsqu'il y a une relation. Généralement, dans la vie locale aussi, il y a cette relation, nous créons ce souvenir naturel parce qu'il y a. Ce n'est pas seulement lorsque vous pensez que Baba est un point de lumière incorporel. Mais Baba nous donne aussi l'héritage. Lorsque vous pensez à l'héritage, vous allez penser à lui, il y aura un souvenir naturel. De la même façon, lorsque vous pensez à ses enseignements, il y aura un souvenir naturel pour le père et le professeur. Lorsque vous pensez aux bénédictions que vous recevez, vous pensez au Sadhguru. Le souvenir devient très naturel lorsque vous pensez aux relations et les acquisitions de ces relations. Baba dit aussi, veut que chaque enfant demeure léger. S'il y a quel que soit le fardeau, que ce soit un sanskar ou quelque chose de très subtil, donnez-le à Baba. Demeurez très léger, mais aussi très puissant. Léger, mais puissant. Alors Baba a dit que c'est la connaissance. C'est dans la connaissance qu'il y a du pouvoir dans le monde logique aussi. Si vous voulez apprendre à faire quelque chose, si vous connaissez quelque chose, c'est votre pouvoir. S'il y a quelqu'un, un ingénieur, un électricien, c'est la connaissance. Il y a du pouvoir en cela. Baba est le Tout-Puissant et l'océan de connaissance. Alors les enfants ne devraient pas seulement écouter la connaissance comme des points de connaissance, mais lorsque vous les utilisez d'une façon ou d'une autre, à travers vos pensées, lorsque vous parlez dans vos actions, votre pouvoir augmente. Alors, Baba dit, vous devez rester léger,
Et vous devez rester aussi puissant. Baba dit au bon moment, quel que soit le pouvoir, nous disons souvent 8 pouvoirs, mais Baba dit aujourd'hui que si ce point, un point, et on se souvient d'un point, vous allez avoir du pouvoir en tant que capacité. Et en vous aidant vous-même, vous allez être capable d'aider les autres. Et Baba dit, lorsque Baba dit de donner sa cache, comment est-ce que vous donnez sa cache? C'est votre légèreté, votre pouvoir, votre lumière. Lorsque vous êtes lumière, vous êtes léger. Et ensuite, il y a du pouvoir. Et lorsqu'il y a du pouvoir, les autres âmes peuvent le ressentir. Baba dit, ce sont les deux côtés, des deux côtés le temps. Vous venez, vous vous rapprochez, non seulement de la fin, mais aussi du début. Beaucoup pensent que la fin, pense à la fin, mais vous devez penser au début. Vous devez penser au lever du soleil. La nuit s'achève. Ensuite, donc, il n'y aura plus aucune peur parce que la nuit s'achève, c'est terminé. Le nouveau débute. La nouvelle journée débute. Alors, Baba dit d'avoir constamment ces pensées positives, qu'il y a un début, qu'il y a la levée du jour, nos relations deviennent divines. Alors, pensez de façon tellement positive. Et Baba dit que vous serez capable de créer ce que vous pensez, et ensuite le changer tout cela en l'âge d'or ou le temps du fruit. Et cela s'appelle Jivan Mukti, la libération dans la vie. Alors, Baba a donné beaucoup d'amour, de souvenirs, j'ai dit à Baba. Après son amour, son souvenir, j'ai dit, je voulais juste partager que j'ai eu le sentiment qu'il y a tant de gens dans la cuisine, dans les départements, et nous avons été capables de venir dans la chambre avec J'ai dit à Dorothy, je veux venir afin que nous soyons tous ensemble avec Baba. Elle est dans le hall à partager l'amour, le souvenir et de partager encore quelques bénédictions de Baba. Om Shanti. Simple joyau vaut des multibillions. Les versions élevées de Baptada. D'un côté, il y a d'être assis sur le trône et de l'autre, c'est la famille royale qui est assise sur un trône. Être assis sur le trône signifie qu'à ce moment présent aussi, vous êtes toujours assis sur le double trône. Donc, en ce moment aussi, vous êtes toujours assis sur le double trône. Et quel est le double trône? L'un est le trône immortel et l'autre est le trône du cœur du Père. L'un est le trône immortel et l'autre est le trône du cœur du Père. Alors,
ceux qui sont toujours assis sur le double trône. Non pas ceux qui sont assis quelquefois, mais ceux qui sont toujours assis sur le double trône, de tels enfants qui sont assis sur le trône, deviennent assis sur le trône du royaume du monde. Alors, vérifiez-vous, est-ce que je suis assis sur le trône double pendant toute la journée? Est-ce que j'ai été assis sur le double trône pendant toute la journée? Si vous n'étiez pas assis sur le trône, alors vous ne pourrez pas vos travailleurs coopératifs, vos organes d'essence ne pourront pas vous obéir. Alors, ni vos travailleurs coopératifs ni vos organes d'essence ne pourront vous obéir parce que qui est un roi qui n'est pas assis sur son trône et donne des ordres, il ne sera pas obéi. Aujourd'hui, au lieu d'un trône, maintenant, ils ont une chaise. Le trône, le système du trône est terminé. Ils ne sont pas dignes. Alors, le trône a disparu. Puissiez-vous être yogi, puissiez-vous être pur. Avyakti Parivar, une famille d'anges, unie dans l'amour pour l'unique. Les signaux avyakti du mois de juin, afin de réussir dans l'examen final, augmenter le pouvoir de discernement. Lorsqu'une situation vient face à vous, à ce moment-là, ne perdez pas votre temps précieux à vous demander ce qui s'est passé, comment c'est arrivé, etc. N'encombrez pas votre esprit avec ce genre de questions. Pensez toujours, ce qui s'est produit est bénéfique et renferme du service. Cela peut revêtir la forme d'une circonstance, mais il y a du service dedans. En pensant ainsi et en regardant les choses de cette façon, vous resterez toujours inébranlable. Avec la conscience d'être des maîtres tout-puissants, vous ferez l'expérience que les situations sont comme des fourmis. Master, almighty authority, the situations will be experienced to be like ants. Om Shanti. Om Shanti. Créer le paradis à l'intérieur du soi. Om Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est la deuxième journée de notre nouveau programme. La foi totale est une assurance totale au droit complet à la souveraineté du soi. Alors maintenant, nous allons écouter Moïni Didi. Moïni Didi, Vata Sunnetu.
Om Shanti, everyone. Om Shanti. Om Shanti, Avyakti Parivar. Om Shanti, Avyakti Parivar. Om Shanti, everyone. Om Shanti. Is everyone okay? Est-ce que tout le monde va bien? Everyone is okay. Tout le monde va bien. Everyone. I'm not seeing everyone. Oui, chacun. Si je ne vois pas tout le monde, maintenant c'est tout le monde qui va bien. Avec Siparivar, tout le monde va bien? You have noticed that, vous avez remarqué que nous avons essayé de réviser les murlis de Baba de samedi de dimanche parce que nous lisons le murli le dimanche. Mais c'est bon si vous le révisez un peu à chaque jour et que vous soyez capable de barater, d'expérimenter. Donc, lorsque c'est Avyakti Dada qui parle, de continuer à parler, ce que j'ai remarqué dans la pratique, parce que je pense que c'est le plus grand pouvoir, la pratique. Et j'aime cela beaucoup parce que il y a des choses que nous faisons. C'est vraiment requis pour le temps présent. Et le moment présent a deux aspects. Il y a la fin, mais il y a aussi le début. Donc, un est vieux et l'autre est nouveau. Quelle est la situation courante dans le monde? Mais nous, où allons-nous? Qu'est-ce que nous approchons spécialement lorsque nous sommes dans un pèlerinage spirituel? Alors, lorsqu'il y a de la pratique, immédiatement, j'aime beaucoup lorsque Baba dit que la connaissance, c'est le pouvoir. Alors, cette pratique de la vérité et la vérité connectée à la non-violence, la non-violence totale, que ce soit dans les pensées, bien sûr, de façon tellement différente. Cela n'arrive pas tellement souvent parce que nous avons la pratique d'être positif, d'avoir de bons souhaits. Mais quelquefois, lorsque vous en avez assez d'une situation ou d'un comportement de quelqu'un, Baba dit encore, je te bénis parce qu'à ce moment-là, il peut y avoir des pensées négatives qui viennent. Je suis fatiguée de toi, je pense que tu ne changeras jamais. Donc, c'est une sorte de violence. Une fois, Daddy Janki avait dit, si vous dites à quelqu'un que tu ne changeras jamais, vous ne donnez pas des bénédictions. Mais indirectement, vous arrêtez le voyage de cette personne, le pèlerinage. Alors, c'est très intéressant la façon qu'il l'a dit. Et je partage avec l'expérience parce que la situation ou le comportement de quelqu'un atteint un extrême comme maintenant, qu'est-ce que je dois faire? On se dit, mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Mais il y a deux possibilités. L'une, et de changer ce qui arrive, mais on ne peut pas, mais on peut changer comment cela arrive. Mais chacun de nous faisons face à des individus, soit la famille ou dans une équipe, qui a
qui est difficile ou a des bannières difficiles? Est-ce qu'il y en a qui sont libres de tout cela? Mais ce que je trouve, ce que je pense lorsque j'ai cette pratique, et ensuite, je dois voir ce que je crée à l'intérieur de moi-même. Si la vérité est la non-violence, alors même les mots, les paroles que j'utilise, non seulement pour cette âme, mais au-delà de cette âme, ou à propos de cette âme. Je pense que nous savons qu'un jour va venir et si nous gardons les bons souhaits, cela, ils vont changer. Cela va changer. Oui. Alors, de créer le paradis à l'intérieur de soi, c'est vraiment cette qualité de ne pas être déçu, mais aussi, vous voyez, j'ai vu ce rôle, le rôle de cette âme dans le drama, mais je dois jouer mon propre rôle, ma propre partie. Alors, nous essayons de changer. Nous essayons notre meilleur, nous essayons plein de façons. Et Baba dit qu'il y a beaucoup de pratiques qui sont requises parce que je vois avec certaines âmes, ils sont toujours et encore dans leur vieux sanskar, dans les obstacles où il y a une éclipse sur elles. Donc, je dois être très miséricordieux en tant que sœur, en tant que faisant partie du Yagya. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Mais au moins, je dois me rappeler à moi-même que je veux créer le paradis à l'intérieur de moi et que j'ai les sanskars divins à l'intérieur de moi. Donc, lorsque je me donne ce choix, j'ai plus de patience, j'ai plus d'espoir et je suis encore douce et gentille. Mais aussi, c'était un point très intéressant, que Shiv Baba est seul et son armée est celle des mères. L'armée des Shiv Shakti. Cette armée, l'autre armée, aujourd'hui, ces jours-ci aussi, ils ont des âmes, des femmes dans leurs armées, mais un petit nombre. Alors que nous, le nombre le plus grand, ce sont les Shiv Shakti. Alors je me dis, Dieu vient et il nous a enseigné toutes les bonnes manières. Si les âmes, les âmes enceintes, si vous écoutez leurs histoires, comme la Dadi quittait la maison au milieu de la nuit, donc elle avait laissé, elle a laissé toutes les clés sur son lit et elle est partie. Et lorsqu'elle est partie, dans ces années, à minuit, pour une femme sur la route, donc la police. Donc, il y avait tant de police avec qui couraient après elle, et elle continuait de courir. Et lorsque vous pensez à tout ce qu'ils avaient à faire, toutes ces histoires, nous avons montré quelques-unes des histoires de Adiratan. Cela vous démontre comment, à ce moment-là, elles étaient si fortes, si puissantes. Beaucoup d'entre vous, je pense, même pour moi, lorsque je pense que je n'étais pas une Shiv Shakti, mais non, pas avant Gyan. Mais Didi Mahan Mohini, elle était une mère. Personne n'aurait pu rien faire parce que
vous arrivez à la maison très tard, vous faites toutes sortes de choses. Et elle disait, non, aie cette conscience d'être la mère du monde. Alors, les Shiv Shakti, chacune d'entre nous, il y a tant un sentiment si beau là, ce matin lorsque j'écoutais le Murli. Mais les frères aussi font partie, n'est-ce pas? Combien de vous ont ressenti « Je suis l'aide de Baba » Chacun faisait partie de l'armée Shiv Shakti, mais vous devez vous en souvenir aussi. Bien sûr, nous sommes non-violents, mais cela veut dire que nous devons être victorieux aussi. Lorsque nous sommes l'armée Shiv Shakti, nous devons être victorieux. L'âge d'or, les sanskars de l'âge d'or, c'est vraiment d'être sans peur, impavide, la non-violence totale. Parce que nous avons les degrés, 16 degrés célestes, ça veut dire complètement non-violent. Parce qu'à l'âge d'or, il montre que tout le monde est ensemble, en harmonie. Il montre la chèvre et le lion qui boivent au même ruisseau. C'est si intéressant que généralement, que le lion, lorsqu'il voit une chèvre, habituellement, ils vont courir après, mais là, ils deviennent des amis. Même les petits, les grands, tout le monde devient des amis. Ici, il y a si belle famille, personne n'est supérieur. Bien sûr, on vous a donné un rôle, on m'a donné le rôle d'être assis ici, mais chacun joue son propre rôle. Ce n'est qu'un rôle. Mais en tant qu'âme, les enfants de Baba, nous sommes tous égaux. Selon le message de Baba, restons légers, lumineux et puissants. Ça s'appelle les Shakti. Vous avez probablement tous réfléchi. Il y a une situation qui existe maintenant. Non seulement pour moi, mais c'est pour tout le yaga. Mais aussitôt que j'ai terminé mon téléphone et que j'ai regardé la pratique pour demain, j'ai dit, oh mon Dieu, j'ai ressenti que c'était si important que chaque point de partie, chaque point de pratique de la connaissance et que vous avez besoin de ce pouvoir pour garder votre esprit léger, de ne pas être confus et d'avoir beaucoup de questions, comment est-ce que ça va m'aider, le yoga aussi. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait tant de besoins connectés, si vous y pensez sérieusement ou si vous le faites sincèrement. Je pense que définitivement, cela va apporter beaucoup, beaucoup de pouvoir. Et je pense que c'est ce qui est créé. Le paradis, vous regardez les problèmes, vous les entendez, bien, vous êtes. J'aime beaucoup cette foi et cette confiance, assurance, mais nous devons demeurer des rois sans souci parce que nous allons régner à l'âge d'or et être maintenant tel qu'était Brahma Baba. Om Shanti. Good evening, Wendy. Bonsoir, c'est Sister Wadi. I'm not sure how we are for time this evening.
maybe Bhumi can guide. But just what you were finishing with and the image of... Donc, elle dit ce que tu disais, ce, avec ce avec quoi tu as terminé, avec ce Baba qui danse, qui dansait dans, lorsqu'il avait la mémoire de sa vie future. As in the beginning, so in the end. Tel le début, tel la fin. Peut-être que je n'aurai pas beaucoup de temps ce soir pour continuer notre conversation, mais beaucoup dans, au début, je pense qu'elles avaient des expériences directes de l'âge d'or. Et peut-être que ce que nous faisons maintenant, c'est un peu similaire en utilisant seulement la connaissance. Et je me demande ce qu'était ton expérience. Je ne me rappelle pas d'Adi Janki qui parlait beaucoup à propos de l'âge d'or. Et je ne sais pas si ce sont les Bharatwasi qui ont une compréhension différente de ce qu'est le paradis comparé à ceux qui sont dans d'autres religions et qui le prennent pour acquis. Mais je ressens que lorsque nous explorons en termes de détails, et je me demande, lorsque tu offres Bhog, oui, c'est une expérience des régions subtiles, mais est-ce que quelquefois tu vas à l'âge d'or? Et si oui, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu expérimentes? Comment te sens-tu? Alors, Mohini dit, c'est d'aller dans beaucoup de choses. Dadi Janki used to love to serve. Dadi Janki aimait beaucoup servir. Won't be serving. Elle disait à l'âge d'or, je ne servirai pas, c'est pour ça que j'aime ça être ici. Et lorsqu'on regarde le cottage de Dadi Janki, même si lorsqu'elle était là, il y avait tellement une belle énergie. Tout le monde qui y allait avait tant de beaux sentiments. Où qu'elle aille, elle créait une atmosphère vraiment paradisiaque, du paradis. La plupart du temps, dans les autres religions, le paradis est quelque part au-delà. Mais Baba nous a expliqué que beaucoup de gens croient que l'enfer et le paradis existaient au même moment. Baba dit non. Lorsqu'il y a le paradis, il n'y a pas d'enfer. Et lorsqu'il y a l'enfer, il n'y a pas le paradis. Alors, j'ai définitivement, bien sûr, comme tu mentionnes, Brahma Baba, qui regardait l'image de Sri Krishna à History Hall, il dansait parce qu'il disait, je suis si heureux, si chanceux. Et nous l'avons vu plusieurs fois danser. Combien d'entre vous dansez? Plusieurs. Because it's like some kind of... Parce que c'est une sorte de joie au-delà des sens qui émerge. Et ensuite, votre corps physique aussi commence à bouger. Ce n'est pas que vous êtes en train de danser pour danser, mais il y a deux mots qui s'appellent ras. Ras. C'est plus comme un rythme, tous ensemble, nous bougeons et il y a la danse. Nous faisons du ras et nous ne faisons pas de la danse. Donc, le rythme de bouger ensemble, plusieurs fois, cela peut arriver que quelqu'un ressent qu'il n'est pas de ce monde. Spécialement après la COVID, je me souviens, aller à l'extérieur, c'était « Est-ce que c'est vraiment mon monde où je vis? » Bien sûr, je devais y aller pour mes rendez-vous médicaux, mais je regardais tout autour et je ne connectais pas. Beaucoup d'entre nous ont eu cette expérience. Il y en a qui continuaient d'aller dehors et qui faisaient des choses pour nous. There were two who took responsibility to go
Ben, il y en avait deux dans notre équipe qui allaient à l'extérieur pour acheter les choses. And leave it for 24 hours before you open the envelope. So donc, people... parce qu'il fallait vraiment, ils apportaient la nourriture et, many of us, et pour plusieurs d'entre nous, donc, our treasure, cashier too. Donc ils nettoyaient tout, ils laissaient le tout pour 24 heures avant de l'utiliser. Mais on se disait non, je me disais non, je n'appartiens pas ici. La première pensée, c'était mais qu'est-ce qui va arriver? Je dois aller en avion, je dois aller en Inde, mais ensuite, bien sûr, tout, je suis allée. But it's like mais c'est comme complètement à l'intérieur, c'était si différent. Pour deux ans, être juste dans notre maison, belle atmosphère, une atmosphère magnifique à cet endroit. Donc, je sens que Baba nous a donné le temps pour expérimenter quelque chose de différent. Cela veut dire l'âge d'or. Si nous pouvions tous voir le bénéfice que nous avons eu avec la COVID, non pas seulement devenir aveugle, mais aussi d'une certaine façon être de l'âge d'or et offrir Bhog à Baba, être avec Baba. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de belles expériences. Oui, vous dites oui. Tout le monde est d'accord avec ça. You're going to give us practice for tomorrow? Donc, Moïni, demain, est-ce que tu vas nous donner une pratique pour demain? So June 3rd. Alors, pour demain, le 3 juin, créer le paradis à l'intérieur de soi. La foi totale est une assurance totale au droit complet à la souveraineté du soi. Aujourd'hui, l'âme pratique le sanskar de l'âge d'or, qui est la victoire est instantanée. L'âme confiante et sans souci vit dans le monde. Vit dans le monde d'une seule religion. Om Shanti, merci beaucoup pour ce message de beau qui le partage. Merci, Sister Wadi. Alors, aujourd'hui, c'est la deuxième journée. Est-ce que vous êtes encore prêts à vous envoler? Oui. Alors, nos deux anges sont prêts. Et ils sont prêts à s'envoler avec nous. Alors, bienvenue au voyage à Vyakti, à Madhuban, la forêt de miel, l'endroit où le paradis commence. If necessary, as long as the lighting will illuminate the aisle to help you find the exit. Please take a moment now to locate your closest exit.
Remember, it might be behind you. Use the tube to add pressure for oxygen maps to drop from the overhead. I might pull the mouth towards you to start the flow of oxygen. Place the mouth over your nose and mouth. Oh, today is so clear. I hope we don't get any turbulence. We're flying. We're flying above a very special place. Nous survolons un endroit spécial. Oh no, it's turbulence. We need il y a de la turbulence. Nous allons essayer d'arrêter l'avion. Et donc, est-ce que tu peux m'entendre? Est-ce que tu peux m'entendre? Brother, it says we're close to Avyakti Bhavan. We need to land in Avyakti Bhavan very quickly. Okay, we are zooming towards Avyakti Bhavan. Okay, let's go. Okay. We have just landed in Avyakti Bhavan. Such a nice thing. But also, I feel we should invite a special guest. Yes, brother, for sure. This turbulence needs to stop. Let's invite our special Mohini Didi so we can have a safe trip back to Madhuban. Come on in. Welcome, Mohini Didi. Welcome to Avyakti Airlines. Okay, now since we invited Mohini Didi to destroy all the turbulence, now we can invite Avyakti Parivar. Om Shanti, I am Avyakti pilot brother Adi. Om Shanti Avyakti Parivar, welcome abroad. We are so glad you're back. I will be your co-pilot today. So, now let's fly back to our sweet home, Madhuban. Today we are going to Pandav Bhavan. Today we have a twist. Now you know that our plane goes to anywhere within a few seconds. Now we can go to any time. We can go anywhere in the past. So today we will be trying the time warp button so we can go back in time to Madhuban. Okay, fasten your seatbelts and let's go. Let's go. Shiva Baba mile unke tan mein.
चुराए सुख बरसाए चित को चुराए सुख बरसाए मीठी मीठी यादों में दिल को समाए बाबा तेरा मधुबन मन को लुभाए
ये आँखों में छाया है दिल वाला मधुबन का बाबा दिल वाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है मधुबन कितना मधुर मधुर है मधुबन कितना मधुर मधुर है खुश हुए मजा आया ना मजा आया मजा लेते रहे Shanti, is everyone back? Did the button work? I'm sure it did because I saw many angels there, brother. Wow, Madhuban was filled with Baba's flowers. It was so beautiful. I'm sure all of you enjoyed it. This flight will be boarding again tomorrow, Vyakti Parivar. So don't miss it, and we will see you tomorrow. See you tomorrow, Vyakti Parivar. Don't miss this. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, our two angels, Avyakti pilots. That was wonderful flight. So it went to Avyakti Bhavan.